Le smartphone le moins cher du monde a été dévoilé en Asie, plus précisément en Inde. Il ne coûtera que 3,30 euros, soit 4 dollars, soit encore 3 800 francs. Un smartphone à moins de 5 dollars, votre budget en rêve déjà, mais ce n'est pas pour tout de suite. Si le prix d'un 251 qui tient son nom de son prix, 251 roupies, soit 3,30 euros, devrait bientôt être proposé par l'entreprise indienne Ringing Bell, sachez qu'il se destine à une clientèle purement indienne. Celui que l'on peut désormais surnommer le smartphone le moins cher du monde a été présenté mercredi 17 février à Delhi. Comment est-ce possible? C'est très simple. Le gouvernement indien a décidé de développer l'accès à l'Internet dans le pays. Actuellement, seuls 20% de la population l'utilise régulièrement. Le produit bénéficie d'un appui politique et donc probablement financier. Pour un tel prix, le smartphone restera, vous l'aurez compris, dans le classique bas de gamme. Mais les caractéristiques ne restent pas moins honorables. 1 gigaoctet de RAM, de 8 gigaoctets de stockage et jusqu'à 32 gigaoctets avec une carte SD. Et un appareil photo de 3,2 millions de pixels derrière, 300 000 pixels pour celui de devant. Les petits indiens pourront même devenir adeptes de selfie. Ces éléments ne permettent pas néanmoins de concurrencer nos smartphones. Mais la visée n'est pas la même et ne peut qu'applaudir une telle initiative. Selon les échos, les processeurs semblent pour sa part corrects et la batterie, même si elle reste faible, devrait satisfaire les usages réguliers.